Thomas, qu'est-ce que tu fais là? En fait, il nous manque une intro là pour Culture Z. Une intro pour Culture Z, oui? Du coup, en fait, je suis venu pour que tu la fasses. Oui, mais j'ai pas de micro. Si, je t'en ai mis un là. C'est quelle émission? C'est Lego et Playmobil. Bonjour, bienvenue dans Culture Z. Aujourd'hui, une émission spéciale Lego et Playmobil. Mais surtout Lego. C'est bon? Ouais, je pense, ça le fait. Merci. Rien. J'ai pas énormément de Playmobil, c'est vraiment pas une collection que je fais, mais dans mon enfance, j'avais pas mal de Playmobil, et j'ai cette pièce qui est en très très bon état, qui est assez folle. C'est quand même le fort Playmobil, le Fort Texas, qui était pas du tout en plastique. C'est-à-dire que dans les années 80, il faisait des jouets en bois encore pour les Playmobil. Aujourd'hui, je pense qu'il est impossible de trouver des forts pour les Playmo en bois. Et là, donc, j'ai tout, tout en bois. J'ai la diligence, bon, là, qui est en plastique, et les Indiens. Et donc, j'ai une belle collection. Je me rappelle du Noël où j'ai eu ce jouet, j'étais hyper content. Ici, vous pouvez voir les Legos de mon enfance, qui étaient les Legos indiens. Et vous vous dites, mais ces couleurs sont un petit peu dégueulasses. Pourquoi? Parce que la méga bonne idée de Playmobil à l'époque, c'était de fournir des décors blancs, des Playmobil blancs, et de fournir des feutres qui tenaient sur cette matière. Bon, là, je pense que c'est ma mère qui m'avait aidé, hein, parce que là, on est sur quelque chose quand même de plutôt joli. Ensuite, je pense que moi, j'ai fait cette indienne. Voilà. C'est la porte ouverte à tous les débordements qui ont eu lieu, puisque j'ai fait. Ça n'existait pas à l'époque, les Playmobil à licence. Je crois que je suis le premier à avoir créé un Playmobil à licence du monde. Je ne vais pas vérifier, mais je pense que c'est ça. Puisque j'ai fait le premier Spider-Man Playmobil et le premier Iron Man Playmobil. Du talent. Lui, on le reconnaît. Enfin, on comprend que c'est Iron Man. Lui, on. Enfin, le visage, je lui ai saccagé la gueule, quoi. Il a des cheveux en plus. On va continuer un petit peu avec les Playmobil. J'en ai pas 12 000, mais j'ai un Playmobil des années fin 70, début 80. J'ai le vaisseau Playmo avec les petites navettes Playmobil. Alors ça, j'adorais parce que forcément, l'espace, c'était mon truc. C'était à l'époque de Star Wars, tout ça. Et on avait quand même des robots. Je dis pas que c'est du vol de licence, mais bon, quand même, quoi. Playmobil. Et cette chanteuse n'a rien à faire là. Que dalle. Et ce pizzaïolo non plus. Même si les gens dans l'espace aimeraient bien manger des pizzas. Et dernièrement, je me suis acheté, parce que je suis un taré, elle est superbe. Bon, il n'est pas à la taille, mais bon, elle est superbe. Et justement, le fait de parler de Ghostbusters, ça me permet de passer au Lego. Là, j'ai quand même plus de pièces, dont le Headquarter Ghostbusters. Vous pouvez voir tous les personnages de Ghostbusters devant, avec Bouffetout accroché là. D'ailleurs, Bouffetout est tiré du dessin animé, mais les gens. Enfin, il est dans le film, mais dans le dessin animé, c'est un personnage à part entière. Et vraiment, le dessin animé a tellement marqué les gens qu'on peut le trouver dans toutes les boîtes au même titre que les héros du film, quoi. Donc le dessin animé a vraiment marqué les gens. Et donc, tout s'ouvre et c'est énormément, énormément de détails. Déjà, on peut voir sur le côté la ruelle avec le feu et tout ça. On est vraiment sur un diorama, quoi. Il y a du détail de ouf, quoi. Et donc forcément, tout s'ouvre. Et c'est vraiment un set de jeux à l'intérieur, quoi. Vous allez voir qu'il y a des détails de ouf. Le laboratoire, les toilettes où il y a du slime qui déborde, la douche, la cuisine, le frigo s'ouvre avec à l'intérieur de quoi manger. Il y a de la pizza au congèle, boîte de céréales, il y a un billard avec les boules, il y a des plans de New York. C'est vraiment une boîte hyper complète. Il faut à peu près 2 jours pour la monter. C'est parmi les pièces Lego que Lego a fait sur des séries, adaptations de films, etc. C'est une des plus belles pièces, je trouve. C'est anecdotique, mais j'ai aussi le Daily Bugle. Pourquoi c'est anecdotique? Parce que bon, c'est un petit set, il n'est pas foufou. Il y a un petit peu des détails à l'intérieur, mais rien de terrible. C'était livré avec le véhicule de Von Fatalis, l'avion forcément de Fatalis, hein, comme tout le monde connaît son avion. Mais le petit truc en plus, c'est que j'ai vraiment des araignées qui sont venues pour de vrai. Et là, j'ai de la vraie toile d'araignée. Et tout de suite, ça rend le truc plus vrai. J'ai la voiture du Joker du film Batman Lego qui est sur élastique. Et c'est ouf, quoi. Déjà, le véhicule est superbe, avec le coffre qui s'ouvre. Mais en face, il y a aussi la Batmobile, livrée avec le Bat-Signal. Eh oui.
Et la Batmobile, elle est folle parce que comme vous savez dans le film, tous les héros qui sont quatre ont un véhicule à eux et tous les véhicules forment la Batmobile. Donc je vais essayer devant vous, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, de séparer les véhicules. Donc si mes souvenirs sont bons, on va faire comme ceci pour avoir un Batwing. Ensuite, on va séparer ici pour avoir la Batmobile. Ensuite, ici, ça se referme. On a le tank. Et vous dites, mais il n'y a pas quatre véhicules. Hop. Hop. On a la moto qui est ici. Superbe jouet. Vraiment un jouet trop cool. Gosse, j'aurais, mais je pense que ça aurait été mon Lego préféré. Quoi. Bob l'éponge, le crabe croustillant, le train de Toy Story, la voiture de Pizza Planet de Toy Story. Vous dites, depuis le début, vous ne voyez pas les personnages. C'est parce que les personnages, je les mets dans des cadres. Je trouve que ça fait hyper joli. Et donc, les personnages de l'Étoile Noire, les personnages de la Batmobile, les personnages Toy Story, tout ça, je les ai tous mis là. Et Doctor Who aussi. Maintenant, passons à Star Wars. Star Wars, c'est là où j'ai le plus de pièces de Lego, je pense. Commençons en dessous, avec le Snowspeeder. J'en ai plein de sortes parce que vraiment, c'est mon véhicule préféré de Star Wars au niveau design. Et vous voyez, ça, c'est le dernier Snowspeeder qui est sorti. Et ça, c'est le premier Snowspeeder sorti en Lego. Pas changé grand-chose. Il est quand même plus réussi, celui-là. Et forcément, ils ont sorti le méga gros Snowspeeder. J'ose pas le toucher, mais en tout cas, s'il veut prendre des virages, voilà, des mécanismes et tout pour tourner dans les virages, il est superbe. Le premier véhicule Lego de Dark Vador, et forcément, alors ça, c'est pas la dernière version géante, c'est pas la dernière version blanche du film horrible, c'est une version plutôt cool du Falcon Millennium qui s'ouvre complètement pour découvrir des scènes de vie avec de la poussière à l'intérieur. On a vraiment une aire de jeu vraiment cool, quoi. Là, c'est l'endroit où ils jouent aux... Je sais pas comment ça s'appelle, les échecs de l'espace, là. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis Dark Vador. Et là, il y a l'entraînement de Luke avec les drones, avec Obi-Wan. Plein de détails, plutôt cool. Il est possible de recréer aussi des dioramas, forcément, avec les Lego. Et là, j'ai recréé la bataille d'Endor pour pouvoir enfin voir mourir des Ewoks. Parce que ça, c'est le truc qu'on préfère. Et donc, j'ai recréé avec des Lego de plusieurs époques. Lui, il est tiré d'un film plus récent. Ses motos sont très très vieilles. Ses motos sont beaucoup plus récentes, forcément, vu que Lego n'arrête pas de refaire avec du vieux. Vous voyez, les deux personnages, les deux motards Stormtroopers, sont pas du tout les mêmes, en fait. Et du coup, vous découvrez le set, un des plus jolis sets Star Wars, je trouve, du village des Ewoks, avec son pont suspendu, son pont de singe. Et surtout, il y a des pièges. Là, on le voit pas très bien, mais il y a un piège avec un filet. Et les détails sont hallucinants et brossent dans le sens du poil les fans du film. Tout là-bas, derrière, il y a les deux marteaux qui explosent à les motos des Stormtroopers. Là, vous avez Han Solo en train de cuire, comme dans le film. Là, derrière, vous avez 6PO sur sa chaise, parce que ça devient un dieu vivant pour les Ewoks. Et là, vous avez un Ewok qui fait de la musique avec des casques de l'Empire. Il y a plein de cachettes dans les troncs d'arbres. Par exemple ici, vous avez un Ewok qui se branle. Hop, caché. Je remets un Ewok devant, parce qu'il faut bien qu'il fasse la garde. Ma mère passe aspirateur. Ça va, maman? Ouais, elle passe aspirateur, elle n'entend pas. Ma mère m'a fabriqué ce sac. N'étant plus un enfant, ça me sert pas à grand chose, mais vous qui avez des enfants, et il vous met des Lego partout chaque fois qu'il veut jouer au Lego, ma mère a trouvé ce truc sur internet. Ça se déplie complètement. Ça vous fait un tapis de jeu Lego. Hop. Vous jouez avec vos Lego. Et quand vous avez fini de jouer avec vos Lego, pour ranger, rien de plus simple, vous prenez les deux extrémités. Et les Lego sont rangés. Allez, parce que ranger des Lego, pas facile. Hop. On termine la visite de ma collection Lego en sautant sur mon lit, comme ferait n'importe qui. En fait, mes Lego sont au-dessus de mon lit. Et donc, on va regarder en vitesse les Lego qui sont ici pour terminer sur ma plus grosse pièce Lego Star Wars. Très rapidement, vous pouvez voir ici un AT-AT motorisé. Il y a un petit moteur à l'intérieur qui lui permet d'avancer.
et puis le grappin, le Stormtrooper à l'intérieur. Ça, c'est un peu plus récent. Là, c'est tiré d'un des films plus récents. J'ai peu de pièces très récentes parce que j'aime beaucoup la première trilogie. Le Y-Wing, justement, de la première trilogie. Et j'ai le premier X-Wing sorti en Lego. Et à l'époque, ils étaient gris. Bon, il manque des pièces. Et qui donne lui plus tard. On est quand même sur deux pièces un peu différentes, là. Beaucoup plus effilées, plus jolies, plus finies. Mais là, R2-D2 était dans le bon sens. Là, non. Là, à l'époque, les ailes, c'était à la main qu'il fallait les bouger. Et là, on a des élastiques avec des... Avec un petit truc à l'arrière pour ouvrir les ailes. C'est quand même plus joli, quoi. Quelques scènes du film. Bon, je l'ai un peu acheté pour avoir Boba Fett. J'avoue, j'ai pas le vaisseau de Boba Fett. J'aurais peut-être me le faire un jour. Et ici, on a quelques Lego Technics. Bon, on avait un R2-D2 programmable. Et un Dark Vador avec le bras qui veut pas tenir. Mais ma plus belle pièce, bah, c'est l'étoile noire. Et je l'ai mis là-bas parce qu'on va regarder toutes les subtilités. On termine la visite de ma collection Lego avec le set de jeux l'étoile noire. Je dis set de jeux parce qu'en fait, ça ne ressemble pas à l'étoile noire. C'est une grosse boule avec plein de petites pièces qui permettent de recréer le premier film de Star Wars. Tout est animable, tout bouge, c'est très malin. Pour les gosses, c'est super. Vous voyez, déjà les tourelles. Je peux faire bouger les tourelles ici. Et je peux les faire bouger ici. Si on descend d'un étage, on peut recréer le combat entre Luke et l'Empereur. Alors oui, il manque des personnages parce qu'ils sont dans mes cadres, là-bas. Et en dessous, c'est pour recréer le moment où Luke et Leia s'en vont en faisant Tarzan. Ce que vous voyez dans le fond, là, je ne sais pas si tu le vois, Rémi. Là-bas, c'est un ascenseur. Là, tu peux mettre tes personnages et je tourne une molette en haut. Poum, et les personnages montent dans l'ascenseur. La molette qui est ici. Alors, ils ressortent ici, tu vois. Donc voilà. Ensuite... On continue de ce côté. On a une version mini du vaisseau de Dark Vador avec énormément de poussière. C'est une version mini. Donc ça le transporte et je peux le sortir. Et voilà. Et je peux attaquer les X-Wing. Bon, malheureusement, le vaisseau de Dark Vador sorti à l'époque ne rentre pas dans l'étoile noire. Mais si vous allez par là, le Falcon Millennium non plus. Ou aucun autre véhicule. En dessous, on a... bon là, c'est un endroit de stockage de l'Empire. Avec toujours un ascenseur pour monter les petits éléments. Ça, c'est un enfer à fabriquer. Ça a pris 3 jours à fabriquer ce truc. Et alors, tous les petits élastiques, les petites ficelles, les petits trucs, c'est... Voilà. Je ne le referai pas. Par exemple, cette porte ici, regarde. C'est quand même cool. Cette porte amène au rayon de l'étoile noire. Donc en haut, au-dessus, vous avez les gars de l'Empire qui dirigent, avec de la poussière toujours, qui dirigent le rayon sur des planètes. Et là, je peux me préparer à tirer pour détruire une planète en entier. En dessous, on a encore une fois un canon d'artillerie qui bouge aussi. Et ensuite, on passe tout en haut à la salle de réu de l'Empire. Ah, ça, c'est la salle de réu. Bon, alors, est-ce qu'on ne devrait pas faire des vaisseaux un peu moins carré et les faire jaunes et les faire allongés. Mais non, t'es con, ça sera dans les premiers films où on fera croire que ces vaisseaux étaient d'avant nos vaisseaux carrés. Ah oui, d'accord. Cette impro était proposée par un mec qui aime que la première trilogie. Et ensuite, c'est le truc que je préfère, c'est la prison. Donc vous voyez, vous reconnaissez un peu, là c'est le centre de commande. Derrière, il y a la prison où était enfermée Leia. Et donc tous, déguisés en Stormtroopers, essayent de s'enfuir, mais ils sont bloqués parce que là, il y a plein de Stormtroopers. Du coup, ils n'ont qu'un moyen pour s'enfuir, c'est de s'enfuir par le vide ordure. Et donc, hop, on peut recréer cette scène ici aussi. Hop, je fais ça. Tac, bam. Et il est tombé dans le vide ordure en dessous, avec le monstre du vide ordure. Et on peut aussi compacter les ordures. Voilà, Culture Z, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci à tous les tipeurs qui permettent à ce programme d'exister. Le Tipeee est en fin d'émission. Il y a le lien cliquable. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça serait cool. Parlez-en à vos amis, c'est encore plus cool. Si vous avez des commentaires, allez-y, on lit tout, même si on ne répond pas à tout. Mettez des commentaires. Si vous avez des amis qui ont des collections ouf malade, ça m'intéresse. Voilà, des bisous. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao.
Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo.